Bonjour. Aujourd'hui, nous allons manger. Je vais donc vous parler du profil psychologique de Cizia Zike. Voilà. L'homme donc faisait preuve de logique et, si je puis dire, d'inconscience ou de folie. Je me réfère au texte. Nombre de fois, dans le texte, vous avez des propos où il explique que. Voire même il explique et des personnages expliquent qu'ils sont embrigadés dans des histoires de fous. Et force est de constater que pour pouvoir arriver au bout de son aventure, voire même pour vivre une aventure, trois choses, entre guillemets, se présentent, que nous connaissons tous. La logique, la raison, la conscience, voire la folie. Dans le cas de Zike, je dirais que la logique et la conscience, voire la folie, étaient d'autant plus présents. Et c'est ce qui faisait sa très grande force. Quand, entre guillemets, trois choix se présentent, oui, non ou peut-être, le choix se présente à vous. Mais quand vous n'avez que deux choix, oui ou non, la logique, la folie, ce sont, entre guillemets, mentalement des approches qui vous vont permettre de faire la différence et qui font que vous n'avez que deux voies qui se présentent. Ce qui fait que vous allez, dans le cas de Zike, il se dirigeait uniquement vers ce genre de situation, où la logique, et entre guillemets si je puis dire la folie, ou la conscience, lui permettait de vivre l'aventure, en tout cas de vivre quelque chose qui était complètement différent. Si vous êtes, si je puis dire, conscient, vous allez faire quelque chose de logique et de raisonné. Donc, c'est pas que vous allez être limité, mais le fait est que vous devrez faire en fonction de ça. Dans le cas de Zike, la logique et l'inconscience faisaient que l'envergure était d'autant plus conséquente. Vous avez de la raison. De toute façon, ça ne peut aller que par, entre guillemets, que par trois. Il y avait un tant soit peu de raison, mais si vous voulez, la logique et l'inconscience étaient vraiment le propre de Zike. La raison en est simple. Si vous faites preuve de raison, vous n'y allez pas. Il y a un risque. Dans le cas de Zike, il fallait donc gérer 30 voyous. Dans l'autre cas, il fallait être en affaire avec des politiques, donc des gens qu'on ne connaît pas. Une prise de risque qui fait que c'était pas sûr d'arriver au bout. Donc la raison serait rentrée en ligne de compte et il n'y a pas forcément moyen d'y arriver. Mais quand vous êtes dans une logique et une inconscience, voire folie, entre guillemets, par rapport à une aventure, votre envergure est d'autant plus grande. Je reviens à ce que je vous avais dit dernièrement par rapport au capital, asseoir une autorité sur un groupe et l'envergure que l'on a pour pouvoir, entre guillemets, gérer ce groupe. Parce qu'on a vécu les choses qui font que, voilà, on est en mesure, par rapport à ces étapes, de faire en sorte que l'aventure vienne à exister. Eh bien, si vous n'avez pas cette inconscience ou cette folie, vous n'y allez pas. Parce que si vous raisonnez, dans le cas présent de Zike, 30 voyous à gérer. 30 mecs prêts à le voler. Donc, connaissant et ayant vu, entre guillemets, la fièvre de l'or, il sait ce qu'il en est. De plus, il était dans la péninsule d'Oza, dans la lagune de Shokaoka. Et il faut comprendre que là, si vous voulez, les comportements sont différents, sont extrêmement différents. Il y a des gens qui, malheureusement, quoique malheureusement, pour pouvoir survivre, doivent développer certaines qualités. Malheureusement, dans cette lagune, les gens, si je puis dire, étaient, je dirais, tarés. Ça développait la folie. Et ça permettait la folie. Pour ceux qui ont lu Oro, vous verrez nombre de choses qui sont, entre guillemets, bref, on va développer. Bon, vous voyez, vous en avez qui ont une. Comment on appelle ça? Bon, bref, qui s'envoyaient en l'air avec le cheval, mais bon, ça c'est autre. Ça a une logique parce qu'ils ont leur besoin d'ordre physiologique, mais c'est complètement inconscient. Pour moi qui suis, entre guillemets, bon, qui suis européen, qui ai un mental européen, bon, c'est pas envisageable, c'est fou. Mais force est de constater que la force, si je puis dire, de ces gens qui sont logiques et entre guillemets, mais logiques et entre guillemets, inconscients, voire fous, c'est qu'ils peuvent aller très loin.
Et c'est cette grande force qui fait la différence 9 fois sur 10 et qui fait qu'il a pu mener jusqu'à son terme son aventure. Quand vous êtes face à des gens qui ont le pouvoir, qui sont à chaque étage, chaque strate du pays, vous les fréquentez ou vous les voyez, que ce soit du policier au nouveau lieutenant, au nouveau. Bref, dans le cas de Ziké, il était dans l'obligation, entre guillemets, de donner des bakchiches à tout le monde pour pouvoir être tranquille, pour faire son travail tranquillement. Donc, pour avoir une certaine tranquillité d'esprit, pour pouvoir trouver l'or. Et donc, il lui fallait ça. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre chose qui est propre à Ziké, quoique, qui est propre à nombre d'aventuriers, la surcompensation. Ça, c'est la pierre angulaire. Au niveau physiologique, pour faire simple, vous avez un état initial, un niveau d'énergie que vous dépensez, par exemple, vous êtes allongé, vous vous reposez, le niveau initial est là. L'exercice, la récupération, la surcompensation. Et dans le cas de Ziké, cette surcompensation était nécessaire. Et si je puis dire, elle était accentuée de par les produits qu'il prenait et de par les situations qu'il vivait. Mais ça me pousse vraiment à croire, compte tenu du fait que je n'ai pas côtoyé Ziké, je n'étais pas sur place, à comprendre que c'était vraiment la surcompensation qui faisait la différence et qui fait qu'il était capable d'aller au-dessus des autres. Et c'est un phénomène physiologique qui est tout à fait normal. Et dans son cas, il l'appréciait énormément. C'est pour ça qu'il, entre guillemets, se lançait dans ses aventures. Pour cette surcompensation qui faisait qu'il voyait les choses d'autant, on va pas dire d'autant mieux, mais qui donnait plus de sel à la vie. Et donc voilà, il y a de ça. Bon, je pense avoir dit le plus gros. Au revoir.